Voyons maintenant comment on va pouvoir quantifier les vitesses caractéristiques de la fluidisation, minimum de fluidisation, bulage et entraînement. On va d'abord s'intéresser à la vitesse minimale de fluidisation qui correspond donc au moment où on va avoir les particules qui vont commencer à se soulever. Pour simplifier un petit peu, on va négliger tout ce qui est frottement au niveau des parois. Et donc au minimum de fluidisation, quand le lit commence à se soulever, on a la perte de pression à travers le lit, d'une certaine hauteur, d'une certaine porosité, qui va être égale à la pression exercée par le lit sur la grille support, c'est-à-dire son poids diminué de la poussée d'Archimède. Donc du coup, on va pouvoir écrire que la force de pression va être égale au produit de la section du lit par la perte de charge au minimum de fluidisation. Et ça va donc être égal au poids des particules diminué de la poussée d'Archimède. Pour avoir le poids des particules, il nous faut leur volume. Donc la hauteur du lit que je vais noter ZMF au minimum de fluidisation multiplié par la section. Donc ça donne le volume complet du lit. Il faut multiplier par 1 moins epsilon, toujours au minimum de fluidisation, pour tenir compte uniquement des particules. Et en multipliant par la masse volumique de ces particules et par l'accélération de la pesanteur, on obtient le poids. Ensuite, on va diminuer de la poussée d'Archimède en retirant ici la masse volumique du fluide. Donc on voit qu'on va pouvoir un petit peu simplifier cette expression en éliminant la section du lit fluidisé. Et on voit apparaître finalement un delta P sur la hauteur de lit traversé, c'est-à-dire une perte de charge qu'on va pouvoir expliciter avec la loi d'Ergun. Et donc ce delta P sur L ou delta P sur Z au minimum de fluidisation, on retrouve les deux termes de la loi d'Ergun. Donc le premier terme qui correspond aux effets visqueux à bas Reynolds, et puis le second terme aux effets inertiels à Reynolds plus élevé. Dans cette expression, on voit apparaître un petit AP, donc qui est la surface spécifique. Donc pour des particules sphériques, ce AP, c'est tout simplement 6 sur dp. Donc on va pouvoir remplacer dans l'équation qui était écrite au-dessus. On va pouvoir faire quelques simplifications, puisque vous voyez qu'on a par exemple un 1 moins epsilon MF au carré ici, on retrouve un 1 moins epsilon ici et encore un autre là, donc on va pouvoir un tout petit peu simplifier, et donc en réarrangeant tout ça, on obtient l'équation qui est écrite ici, on a remplacé le AP par 6 sur DP, et donc on a fait disparaître ce qui pouvait être simplifié en termes de 1 moins epsilon MF. Alors, on va multiplier chacun des membres de cette équation par dp au cube. On va encore avoir un dp au carré ici et on va éliminer celui-là. On va multiplier également par la masse volumique du fluide. Et donc là, elle se retrouve au carré à ce niveau-là. Et on va diviser par la viscosité au carré. Donc du coup, celui-ci disparaît et on a ici, et puis ici, la viscosité au carré. Alors c'est pas innocent si on a fait ceci. On a ainsi fait apparaître à gauche le nombre d'Archimède. Et vous avez peut-être également reconnu ici le nombre de Reynolds et ici le nombre de Reynolds au carré, nombre de Reynolds au minimum de fluidisation. Donc du coup, l'équation devient celle-ci, exprimée avec des nombres adimensionnels. On retrouve donc notre nombre d'Archimède, le nombre de Reynolds minimum de fluidisation et encore le Reynolds au carré. Donc on a affaire ici à un polynôme d'ordre 2, dont on va pouvoir calculer la racine qui va nous permettre d'accéder ensuite à la vitesse minimale de fluidisation. On va définir deux coefficients, C1 et C2, qui ont les expressions que vous voyez ici, ce qui va nous permettre de simplifier un petit peu l'écriture de l'équation qu'on avait au-dessus. Et donc on voit apparaître ce fameux polynôme d'ordre 2
donc avec le Reynolds comme inconnu. Donc, du coup, on va avoir la racine, le nombre de Reynolds de minimum de fluidisation, qui est égal à, alors, moins B, donc moins 2 fois C1 sur C2, plus ou moins racine de B2, donc ça, ça fait 4 C1 sur C2 au carré, moins 4AC, donc on a C ici, A ici, donc ça nous fait plus 4AR sur C2, divisé par 2A, donc 2 sur C2. On se rend compte que c'est la solution, la racine avec le plus qu'il va falloir utiliser, sinon on se retrouvera avec un nombre de Reynolds négatif. Et on va pouvoir simplifier, vous voyez qu'on a du C2 au dénominateur à différents endroits, qu'on va pouvoir simplifier. Et au final, on se retrouve avec l'expression du nombre de Reynolds au minimum de fluidisation qui est indiquée ici, avec, rappelé en dessous, l'expression du nombre de Reynolds, l'expression du nombre d'Archimède et les deux coefficients C1 et C2. Donc, à partir de ces différentes équations, on sera capable de déterminer la vitesse minimum de fluidisation pour des particules données dont on connaît le diamètre et la masse volumique dans un fluide donné dont on connaît la masse volumique et la viscosité. À condition, vous voyez, qu'on connaisse la porosité au minimum de fluidisation, ce qui ne sera pas toujours très évident. On pourra en général commencer en première approximation en prenant cette porosité égale à 0,4 qui, je vous rappelle, correspond à l'empilement de grains sphériques de même taille. Il existe des relations asymptotiques pour soit un nombre de Reynolds, un nombre d'Archimède pardon, relativement petit, soit au contraire un nombre d'Archimède très grand, donc des expressions approchées de l'expression qui est générale au-dessus. Ici, je vous indique une relation possible pour estimer la vitesse minimum de bullage. Donc c'est une parmi beaucoup d'autres. Vous voyez que pour cette expression-là, on a une expression qui dépend de la vitesse minimum de fluidisation. Et puis ici, on retrouve les différentes propriétés du fluide et du solide. Et puis différents coefficients. Donc c'est typique d'une corrélation. Donc en tout cas, c'est une façon de calculer la vitesse minimum de bullage. Pour ce qui concerne la vitesse d'entraînement, on peut réfléchir un instant à ce à quoi correspond cette vitesse d'entraînement. Et on se rend compte qu'en fait, c'est un problème équivalent à la vitesse terminale de chute. Si on change la position du repère, pour la vitesse terminale de chute, on étudie la chute d'une particule sous l'effet de la pesanteur dans un fluide immobile. Et là, en fait, il s'agit de l'entraînement d'une particule dans un fluide en mouvement. Donc en fait, ce sont deux vitesses qui sont tout à fait identiques. Et donc je vous rappelle que pour calculer la vitesse minimale de fluidisation, on va avoir besoin à nouveau du nombre d'Archimède, du nombre de Reynolds calculé pour la vitesse terminale de chute, c'est un nombre de Reynolds particulière classique. Et donc là je vous ai remis les différentes équations correspondant aux différents régimes qu'on est susceptible de rencontrer dans le cas de la vitesse terminale de chute et donc aussi dans le cas de la vitesse d'entraînement pour la fluidisation. Donc ça nous a permis de balayer les différentes vitesses caractéristiques les plus importantes, vitesse minimale de fluidisation, vitesse minimale de bullage et vitesse d'entraînement, qu'on pourra ensuite calculer dans différentes situations pour pouvoir choisir les conditions de fonctionnement pour pouvoir obtenir, par exemple, une bonne fluidisation d'une population de particules.